Good morning, allez, il y a une étude aujourd'hui, les lunis, matin, moi, mina, ben, chana, peggy, bat, esther, zrabat, mazatov, chichporti, simon, bat, leoni, michel, lebikov, aussi, le vadrout, bat, clotin, kraina, et simcha, bat, masodi, betor, chachol, israël, si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Chubot, Terekret, Mishna, Daled. Amar, la echad, bashuk, hey, chan, shori, shiganavta, ou omer, lo, ganavti, vaidi, me, deux, noto, shiganavo, meshalem, tachloume, kefel, tabachomachar, meshalem, tachloume, arba, vachamisha. ראה העדים שממשמשינו בעין ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן משנת חסם כי הוא כנסה tous les principes déjà par cœur, peut-être une petite précision à la fin de la Mishnah comme on verra. On commence par traduire. אמר לאחד בשוק, il a dit à une personne dans la rue, היכן שורי שגנבת, où est le taureau que tu m'as volé hier? Tu t'es infiltré, mon taureau il a été volé hier, je sais que c'est toi qui me l'as volé, rends-le-moi. ואומר לא גנבתי, et lui dit non, je ne te l'ai pas volé. Et après viennent de témoins, on le traduit en justice, viennent de témoins et témoignent contre lui qu'il a effectivement volé. Alors quoi? Il a volé en cachette. Il s'est infiltré chez moi pour le voler. Dans celle-là, ce qu'on appelle Gneva, mais Shalem Tachnome Kefel, il devra payer le double. Une amende spéciale pour celui qui vole en cachette, il doit rembourser le capital et payer en plus de ça une deuxième fois le Kefel. D'accord? Kafoul, double. Tabar Humachar, maintenant, puisque c'est un taureau, s'il l'a égorgé ou bien s'il l'a vendu, alors la Torah elle a donné un knas particulier, une amende particulière pour celui qui vole un taureau ou un mouton et qu'il l'égorge ou le vend, que Meshalem Tashlomei Arba Vachamisha, il devra payer 4 et 5 fois son montant. Soit 4 fois le prix d'un C, d'un Keves, d'un mouton, et 5 fois le prix d'un taureau. La Torah elle a fait une petite différence entre les deux. C'est un knas particulier, la Torah elle a dit, puisque quand tu voles un taureau, tu le tires, et le taureau il avance derrière toi, alors tu dois payer 5 fois. Mais quand tu voles un mouton, puisque tu vas souffrir pour le tirer, étant donné que le mouton il s'agrippe, il n'a pas envie de te suivre, il ne te connaît pas, il a peur de toi, donc tu vas devoir le porter sur tes épaules, et tu vas devoir t'humilier dans la rue, puisque tu... Ouais, il y a beaucoup de moussards qui sont déduits là-bas, mais en tout cas c'est pas notre sujet. En tout cas, puisque tu vas t'humilier dans la rue pour pouvoir voler ce mouton, alors la Torah t'a fait une petite ristourne, elle t'a dit tu payeras un knas de 4 fois uniquement et pas de 5 fois, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Notion très simple que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Ok? Nouveau, on évolue maintenant. Ra'a edim shememashmeshin ubayin. Il a vu des témoins qui étaient en train de se préparer à venir. Il me manque un petit détail sur la scène. C'est est-ce qu'on parle qu'on était déjà au Bet Din ou est-ce qu'on était dans la rue? Je pense qu'on parle même si on était déjà au Bet Din. Soit... pendant qu'il a commencé à me réclamer, à me traduire en justice, dans la rue, ou au Bet Din en tout cas, il a commencé à me dire hey, « tu m'as volé mon taureau » et je lui dis « non, je te dois rien ». Il lui dit « menteur, j'ai même j'ai des témoins, j'ai des preuves contre toi ». Je lui dis « non, je te dois rien ». Et d'un coup, je regarde par la fenêtre, je vois au bout de la rue, Réhouven et Shimon qui sont en train de venir. Je me dis « oui, ils se sont en train de venir, c'est que probablement c'est des témoins ». Et dans ce cas-là, je me dis « j'ai tout intérêt, moi, à vite reconnaître mon tort, parce que... il y a le principe, le principe de modé biknas, pas tout. Quand je reconnais un knas, une amende, je suis dispensé. On va expliquer tout de suite de quoi on parle. Donc de ce fait, je les ai vus venir, j'ai vite reconnu mon erreur. Comme ça, je vais me faire dispenser. Et bien la Mishnah cautionne, valide, et elle dit « Amar ganavti al... » Non, on va d'abord expliquer, excusez-moi. On va d'abord expliquer le modé biknas, pas tout. Petite précision importante. Dans la Mishnah, on l'a évoqué dans la Mishnah précédente sous une certaine forme, et maintenant on va pousser le bouchon un peu plus loin. On avait expliqué que modé biknas patour, l'exemple que je rapporte toujours, c'est celui qui vole un feu alors qu'il n'y avait pas de flic, il n'y avait pas de police pour arrêter. Est-ce que maintenant il veut se rendre? Il va aller voir il va aller au commissariat, il va dire oi, khatati, aviti, pachati, j'ai passé le feu rouge, je vous demande pardon, je veux payer les 1000 shekels. Qu'est-ce qu'il va faire le commissaire? Il va lui donner un bon verre d'eau, peut-être un calmant, mais il va sûrement pas lui prendre 1000 shekels. Parce qu'il n'y a pas de cause à effet direct lorsque tu brûles le feu, alors tu causes un dommage, et donc il va falloir que tu payes 1000 shekels. Ça se passe pas comme ça. Tu payes 1000 shekels parce qu'on a réussi à te pincer en train de transgresser l'interdit, et dans ce cas-là, on va t'imposer, il y a quelqu'un d'autre qui va venir qui va t'imposer de payer 1000 shekels. Si toi tu viens, tu nous racontes que hier t'as brûlé un feu et tu veux payer 1000 shekels, il n'y a pas de cause à effet, tu dois rien dédommager. À la différence que si tu vas et tu racontes que hier t'as cassé le feu, t'es rentré dedans et tu l'as fait tomber, dans ce cas-là, on te dira bon, t'as causé un dommage, tu dois dédommager. Ouais, ce qui n'est pas le cas dans le CNAS. Jusqu'à maintenant, c'est la notion du CNAS, de l'amende qu'on évoquait. Que si je me condamne moi-même, je ne dois pas, me la payer. Et en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça.
c'est que lorsque je suis parti moi au Beth Din et j'ai reconnu mon tort avant que l'on me condamne, je serai désormais dispensé de payer ce knas, même si après des témoins viendront. D'accord ? Un peu le même principe que faute avouée à moitié pardonnée. Même si finalement, après ton aveu, eh ben, y a eu des témoins qui sont venus qui t'ont condamné, le juge va dire non, c'est bon, on a clos le sujet, il est venu, il a tout reconnu, lui, ça y est, on n'a plus besoin de vous les témoins, on a clos le sujet. Ok ? C'est déduit de psukim dans la Torah. Alors maintenant, la Mishnah, maintenant, elle va nous apprendre deux notions sur ça. Tout d'abord, on va commencer par la deuxième qu'on n'a pas encore lue, après on va revenir sur la première. Tout d'abord, on a évoqué que lorsque je vole un taureau, si je l'égorge ensuite, ou si je le vends, je dois payer 5 fois le knas. Ok ? Alors maintenant, il faut savoir que ces 5 fois, c'est en réalité, il faut bien comprendre. Je dois payer 5 fois le taureau, mais c'est en réalité. Une fois, c'est payer le keren, le capital, rendre le taureau, t'as voulu. 4 fois, c'est 4 fois d'amende. Mais en réalité, il y a le double, il vient parce que d'abord, tu as volé en cachette. Quand tu voles en cachette, tu dois payer le double. Et les 3 supplémentaires, alors, c'est le knas particulier, l'amende particulière, parce que tu as égorgé en plus de ça, tu as égorgé le taureau. Mais ces 5-là, ils forment une entité. Si pour une quelconque raison, je ne vais plus payer le kefel, par exemple, c'est ce que la Mishnah va nous raconter, je suis parti reconnaître au Bedin que j'ai volé en cachette, mais je ne reconnais pas le fait que j'ai égorgé le mouton. Et après, ou le taureau. Après, il y a des témoins qui vont venir et qui vont me dire « Mais on a vu que quand tu l'as volé, tu l'as égorgé. » Alors, le capital, je dois le payer, parce que j'ai reconnu que j'ai volé. Ça, c'est un dédommagement, je dois payer le capital. Mais le kefel, le double, je suis dispensé de le payer. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai raconté au Beth Din que je l'ai volé, avant que les témoins viennent. Est-ce que je devrais quand même payer les 3 supplémentaires sur le fait que j'ai égorgé le taureau ? Alors la Mishnah va nous enseigner que non. Parce qu'en réalité, ces 4-là, même s'il y a le kefel indépendant quelque part des 3 supplémentaires, mais malgré tout, la Torah a dit tu payes 4 ou 5, elle n'a pas dit tu payes 3 ou 4. Soit, de ce fait, puisqu'il n'y a plus le kefel, alors on ne paye pas 4 fois le prix d'un taureau si tu as égorgé le taureau. On paye soit 5, soit rien. Si on ne peut pas donner le plein pot de l'amende, alors tu payes rien. Première notion, ça va être la deuxième notion qui va être évoquée dans ce cas de la Mishnah. Avec, en plus de ça, un petit ajout maintenant. Lorsque je reconnais un tort, la fameuse faute avouée à moitié pardonnée, modé biknas patour, je reconnais mon tort, je suis complètement patour de payer l'amende. Lorsqu'en fait, on va voir que c'est pas que je suis un grand sadique, que je viens faire un aveu. C'est que j'ai tout simplement peur de me faire condamner à payer beaucoup plus. Est-ce que ça s'appelle que j'étais modé biknas ? Eh bien, la Mishnah va nous enseigner que oui. Regardez. Ra edim shememash meshin ubaïn. Il a vu des témoins qui étaient en train de se préparer à venir. Il a vu par la fenêtre qu'ils étaient en train de venir bientôt. Reuven et Shimon, il a vite fait son calcul, ils viennent pour me condamner. Ils étaient sur les lieux du vol hier, ils m'ont vu repartir avec un taureau, qu'en irait que, en fait, ils m'ont vu. Et donc tout de suite, il dit au Dayan, Ganavti, j'ai volé. Avalotavarti vlomacharti. Par contre, je sais pas ce qu'il me réclame lui là, que je l'ai égorgé. Je l'ai pas égorgé, ou je l'ai pas vendu. Et après, les témoins viennent et disent, tu l'as volé, tu l'as égorgé. Alors, qu'est-ce que je devrais payer ? Eh bien, la Mishnah enseigne « Enom Echalem Ela Keren ». Je ne devrais payer que le capital. Je ne payerai pas le double parce que c'est moi qui me suis condamné, et que ça s'appelle « Modé Biknas Patour ». J'ai reconnu moi-même, même si finalement c'est eux qui m'ont stimulé à reconnaître. Malgré tout, Alpidine, j'ai reconnu avant que les témoins viennent, c'est bon, c'est validé. Et en plus de ça, je ne payerai pas non plus les 3 supplémentaires, comme ce qu'on a dit, parce que la Torah a dit que tu payes 5 pour un taureau, tu ne payes pas 4. Donc si tu n'es pas tour de payer le kefel, tu ne payeras pas non plus les 3 supplémentaires pour arriver jusqu'au knas de 5 pour celui qui est gauche. On fait à présent le Bartenora. Amar l'echad bashu minashuk. Il y a marqué bashuk, minashuk, c'est pour ça que je me suis embrouillé tout à l'heure. Amar l'echad minashuk. Il a dit à quelqu'un qui était du chouk, dans la rue. Achalo garsinan mashbiachani. Attention, le Bartenora précise quelque chose de très, très simple. C'était pas la peine ici, cette fois-ci, dans cette Mishnah, de m'enseigner mashbiachani, je te demande de jurer. Parce que on demande de jurer à un gardien qui commence à nier, mais on ne demande pas à jurer à quelqu'un qu'on soupçonne de voler. Ce n'était pas la peine pour être à F. Kefel. Le simple fait que des témoins viennent et témoignent qui s'infiltrent chez moi, ils devraient payer le Kefel. Deha, belojvoa, mechayev Kefel, car même en lançant la Shvoa, il sera déjà chayav de payer le Kefel. Chez Zeganav Mamashu, parce que c'est un vrai voleur. Et pour le voleur, la Torah l'a précisé, il payera le double, il n'y a pas besoin de jurer. Edim shememash meshin ubain. Il y avait des témoins qui commençaient à se préparer à venir. Revuta shmuinan. La Mishnah est venue m'apprendre un cas encore plus
mechudash, encore plus nouveau. De'af al-gab de mechamat be'ituta de'edim modeh, bien qu'ils reconnaissent à cause de la crainte des témoins. Ouais, mechamat, à cause be'ituta, niv'at, il a très peur. Be'ituta, c'est la peur, à cause de la peur des témoins, il est modé, il reconnaît. Malgré tout, sa reconnaissance est une bonne reconnaissance qui le dispense de payer, et désormais il sera patour, dispensé de payer le double. Et kevan den kefel, et puisque maintenant il n'y aura plus de double à payer, patour af minadvicha shekafar ba, il sera même dispensé de payer le supplément jusqu'à 5 fois parce qu'il a égorgé, ou ba ou edim shekana vetavachumacha, dans le cas où les témoins viennent et nous racontent qu'ensuite il a égorgé. Il a volé, il a égorgé. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il n'y aura plus de chiyuv, de knas, d'amende, de payer le kefel, il n'y aura plus non plus de chiyuv de payer sur le fait qu'il a égorgé ensuite. Pourquoi ? Car la Torah a dit de payer 4 et 5 fois, velo tashlum shlosha ve'arba, et pas de payer 3 et 4 fois. Et puisqu'il n'y a plus le kefel, puisqu'il a reconnu lui-même sur le kefel, alors il va manquer un parmi les cinq. De ce fait, il ne payera plus non plus les quatre autres, les trois autres. Il payera juste le keren. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Comme tout, c'est là.